Qu'est-ce qui t'amène ici, Hardy? Je ferais peut-être mieux de revenir quand vous serez moins... occupé. Occupé? J'ai cru que tu allais dire sous. Mais je suis pas occupé, je suis pas sous. En fait, il n'y a pas assez de whisky dans tout l'état de Géorgie pour arriver à me saouler. Alors, il faut être sous comment pour être vraiment sous, Captain Juno? Bonne question, Hardy. Viens par ici, assieds-toi, je vais te dire ce qu'un homme sous. Aaron, tu crois que tu peux trouver à ce jeune homme un soda dans le frigidaire? J'espère bien, ouais. À condition que j'emmène mon pognon avec moi. Bon. Alors, une question a été posée. Il faut être sous comment pour être vraiment sous? Et la réponse, c'est... tout se passe dans les cellules du cerveau. Les cellules du cerveau? Exactement, Hardy. Tu vois, chaque verre d'alcool que tu ingurgites, ça va te tuer 1000 cellules du cerveau. Mais c'est pas grave, parce que t'en as des milliards d'autres. Les cellules de la tristesse meurent en premier. Et là, t'as un grand sourire. Ensuite, c'est au tour des cellules du silence. Alors là, d'un coup, tu te mets à parler très fort, sans aucune raison valable. Mais ça fait rien. Ça fait rien, tu perds les cellules de la bêtise juste derrière. Et tout ce que tu dis devient très intelligent. Et à la fin, c'est au tour des cellules de la mémoire. Celles-là, elles sont pas faciles à tuer.